Exemple 3, résoudre 3y égale 4x ainsi que 5x égale moins 2y plus 10. Première étape, je dois écrire mes deux équations sous la bonne forme. Je devrais modifier les deux équations. Pour la première, j'ai soustrait 4x de chacun des côtés de l'égalité pour obtenir moins 4x plus 3y égale 0. Dans la deuxième, j'ai additionné 2y de chaque côté pour obtenir 5x plus 2y égale 10. Maintenant, la partie la plus difficile, je me pose la question, par quoi je devrais multiplier une ou l'autre ou les deux équations pour obtenir des coefficients soit de x, soit de y de même grandeur? Si j'essaie avec 2 et 3, je me demande 2 fois quoi fait 3 ou 3 fois quoi fait 2. C'est difficile parce qu'on doit utiliser un nombre rationnel. Même chose avec 5 et avec 4. Dans cette situation, on va choisir de multiplier les deux équations pour éviter de multiplier par un nombre rationnel. Je vais choisir d'éliminer la variable y. Pour ce faire, je vais multiplier ma première équation par 2. Chacun des termes sera multiplié par 2. Ici, j'aurai 6y. Alors, je m'attends à avoir 6y là aussi. Alors, je vais multiplier la deuxième équation par 3. Attention de bien multiplier chacun de vos termes pour obtenir vraiment deux équations équivalentes. On voit très bien ici 6y et 6y, et je vais les soustraire pour les éliminer et ainsi obtenir une équation avec une seule variable. Alors, je prends mon nouveau système qui est en rouge. Je le soustrais. Moins 8x, moins 15x, j'obtiens moins 23. 6y, moins 6y, 0y, 0 moins 30, moins 30. Il ne me reste que moins 23x égale moins 30. Je peux diviser par moins 23. X vaut 30 23e. Je choisis de remplacer dans l'équation 3y égale 4x pour trouver la valeur du y. 3y égale 4 fois 30 23e. J'effectue la multiplication par 4 pour ensuite diviser par 3 et obtenir un y de 40 23e. Réponse finale, le couple solution est 30 23e, 40 23e.